Le nom de Sainte-Geniès de Comolas est issu de deux noms latins, Genesius, Saint-Genès, et de Cumulus en raison des collines et de la longue barre rocheuse, appelée montagne, qui sont sur la commune. Notre village est dominé par son église. À l'origine, elle était de style roman, comme en témoigne la voûte en forme de four à pain qui couvre l'extrémité en demi-cercle de l'église, l'abside. En 1855, Léon Allègre, peintre archéologue bagnolais, représente une esquisse au crayon de notre église, telle qu'elle était encore au XIVe siècle. En 1857, l'église aura son apparence actuelle. En 1875, le clocher roman sera remanié et perdra son aspect de style roman. L'architecte était M. Bègue. La place qui entourait l'église servit de cimetière jusqu'en 1830. En ce début du XXe siècle, la paroisse était dirigée par l'abbé Lens, puis par l'abbé Almès, et en 1960 par l'abbé Coudert, que de nombreux Saint-Gélérois ont connu et estimé. En face, l'autel très ancien en marbre blanc. En levant les yeux, on peut contempler une fresque datant du XVIIe siècle. Celle-ci représente l'exécution de Saint-Genès, scribe d'Arles en 303, qui avait refusé de signer un édit impérial contre les chrétiens. De nombreuses statues s'offrent à nos yeux, celle de Saint-Genès tenant à la main la palme des martyrs. Une petite cavité placée dans le socle contiendrait les reliques apportées en 1761 au village de ce saint. Celle de Jésus le Sacré-Cœur, de la Sainte Vierge Marie couronnée tenant l'enfant, de Sainte Thérèse, de Saint Joseph. Jeanne d'Arc, patronne de la France et de l'armée française. Saint Expédite, un commandant romain, décapité en 303 parce qu'il s'était converti au christianisme. C'est le patron des écoliers et des hommes d'affaires. Le curé d'Ars, Jean-Marie Vianney, le pape Pie XI le nomma patron de tous les curés de l'univers en 1929. Au-dessus de l'autel, un tableau montre la Vierge entourée des 12 apôtres, regardant descendre une colombe, le Saint-Esprit.
De nombreux tableaux évoquent le chemin de croix, la souffrance de notre Seigneur, sa crucifixion. Une représentation de la Nativité, dont de l'empereur Napoléon III. Un tableau offert par la République en 1875. Tous ces vitraux ont été réalisés à la même époque, en 1875, et conçus par Gilbert Danel d'Avignon. On y distingue celui de Saint-Genès, debout, montrant du doigt l'édit de l'empereur Dioclétien jeté à terre, de Saint-Joseph, tenant un lys dans sa main gauche et portant sur le bras droit l'enfant Jésus, celui de Notre-Dame de Lourdes et celui du Sacré-Cœur de Jésus, avec l'inscription « Via et Vita, la voie et la vie ». Derrière l'autel, trois petits vitraux circulaires, de bas en haut, évoquent la naissance de Jésus, Jésus travaillant avec Joseph son père, et son premier miracle aux noces de Cana. La croix de mission, un texte signé par l'abbé Almès en avril 1914, nous rappelle qu'il y a une croix de mission dans le village. L'ex-voto, en reconnaissance à la Sainte Vierge, le 9 juillet 1856, Thérèse Boissonnat et Eugène Arnaud, les parents de la petite Augusta, 28 mois, miraculée après une chute de la fenêtre du deuxième étage de leur maison située à l'angle de la rue de la Calade et de la rue Saint-Jacques. Deux plaques de marbre noir rendent hommage à nos héros morts pour la patrie durant la Première Guerre mondiale. Une est dédiée à M. l'abbé Almès François et l'autre à nos villageois qui ont donné leur vie pour la France. Un texte de Saint Paul en latin est écrit en dessous. Celui qui a combattu pour une noble cause sera couronné. Notre regretté ami Guy Arvieux, par ses recherches, a permis l'inscription du nom d'un soldat oublié, M. Théophile Bernard, mort le 19 août 1918. Un grand merci à Guy. Pour la célébration dans la joie de la Nativité dans la nuit de Noël, de majestueux personnages composant la crèche sont remisés dans notre église. Un dernier panoramique de notre église, si cher à notre cœur, et nous nous dirigeons vers la sortie annexe. À droite, le confessionnal. Et nous voilà sur la place de la mairie, parée de sa jolie fontaine.